Actualité à l'étranger avec l'annonce des autorités américaines ces dernières heures. Plus de 500 personnes sont actuellement portées disparues à la suite de violentes inondations qui touchent le Colorado. L'état d'urgence a été décrété et de nouvelles précipitations sont redoutées. Florence Boukia. Même les pompiers peinent à lutter contre les flots. Mais ils continuent d'avancer. Il faut secourir les habitants, parfois coincés dans leurs voitures. On est sans nouvelles de 500 personnes, mais certaines ont peut-être trouvé un refuge quelque part, chez un voisin. Pour le moment, 5 corps ont été retrouvés, d'autres ont échappé de peu à la mort. L'eau m'arrivait jusque-là. On était en train d'embarquer les chevaux dans le camion. On a juste eu le temps de les sortir et de nager. Ce cheval aussi est à bout de force. Mais son propriétaire va réussir à le relever. Il est sauvé. C'est dans l'ouest des États-Unis, dans le Colorado, non loin de Denver, que les inondations ont envahi le comté de Boulder. Depuis mercredi, la pluie tombe sans discontinuer. Les torrents d'eau boueuse ont dévasté les routes, encerclé les habitations. Et l'eau pourrait encore monter.